Bonjour Safo. Alors, tu as vu le paquet de cartes postales absolument énorme qu'on a reçu pour le concours à ton sujet? C'est insensé, insensé. Je ne comprends pas comment les gens savent tout ça sur moi. C'est absolument extraordinaire. C'est merveilleux. Je suis étonnée, sidérée, quoi. Ils savent comment je me suis, comment je suis née, comment j'ai accouché. Enfin, plutôt, c'est ma maman. Elle, c'était une césarienne, tout ça. Enfin, c'est terrible, tu vois, je veux dire. Et puis, des choses que je ne veux pas révéler au public pour rien au monde. Bon, mais arrête, 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 dis-nous tout. Quelles étaient les bonnes réponses aux questions que j'avais données la semaine dernière? Je suis née à Marrakech, comme mon accent l'indique, tabarnak. Et puis ensuite, j'ai fait 4 LP, long jeu, là, tu vois ce que je veux dire? 4 albums plus un petit 45 tours. Et puis, maudit, j'ai passé au Max's Kansas City. J'ai passé au CBGB, au Mile Club, je ne sais plus encore, je ne sais pas, au Horaz, et puis j'en ai oublié d'autres, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà comment j'ai fait, tabarnak de sty, de calice, de ciboire, de maudit sty, qu'on passe à autre chose. Ouais, enfin bon, à mon avis, il y a quand même des choses que tu nous caches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné, les gagnants que tu as choisis? Ils vont gagner des disques s'ils sont en province. Ils vont gagner des places pour mon spectacle au Gaîté Montparnasse entre le 27 septembre et le 9 octobre à 20h15. Et puis un grand sourire. Et My heart belongs to daddy. 1,80 franc contre un disque ou une place de concert, ça vaut quand même le coup de regarder l'écho des bananes, hein, et de répondre intelligemment. Alors lundi, tu vas être sur la scène de la Gaîté Montparnasse. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout. Eh ben, il va se passer que il va y avoir une dame qui va faire du trapèze sur de la musique de Nino Rota, puis un magicien. Mais le magicien, il va pas être là tout le temps, il va être là jusque 2 fois, c'est tout. De toute façon, c'est une production à 2,72 francs. C'est pas comme Johnny Hallyday, il va pas y avoir des singes en feu et tout. Il va pas y avoir des scènes qui tournent, il va pas y avoir du cuir partout. Mais quand même, j'aurai des clous sur mon bustier. Dernière question de mon interview que j'avais longuement préparée. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'on va passer ni ce qu'on va regarder. C'est épouvantable. Par exemple, je ne sais pas, rue de Lappe, par exemple. Chapelle des Lombards, ils versaient leur stridence cuivrée électronique. De belles femmes allaient comme des prêtresses antiques. Tandis que s'entrechoquaient des vers luisants au bar et que se susurraient des mondanités barbares, ces femmes insolentes qui hantent la musique faisaient les respectables avec leurs yeux obliques. J'ai envie sur le trottoir. Il y avait tant de désirs douloureux dans leurs regards. Je leur aurais donné mon corps, mais personne n'avait eu sa part. Ces femmes insolentes qui hantent la musique, la glace et le mépris scellaient leur beauté. Et je ne savais plus si je voulais briser l'ordre subtil de cette agitation policée.
piano, d'accordéon qui pleure. N'allez pas déferler chez les sombres rockers, les ritales en sortie, les basanes lubriques et les putes sanglantes, les midinettes à flics. Tout son de mélo, la musique marocaine, n'allez pas dissoudre pour toujours les haines. Et je dansais alors en faisant clic et clap, et les gars fuyaient ce soir-là, rue de Lattes.